Je remercie MSI pour avoir sponsorisé cette vidéo et m'avoir permis de tester et de vous présenter votre prochain PC portable. Regardez ce magnifique MSI Cyborg 15 A12 VF avec son design futuriste sobre et son clavier gaming à rétroéclairage avec les touches translucides. Il cache à l'intérieur un processeur Intel Core 15 12450H qui améliore les performances du PC pour tous vos projets et vous permet de faire tourner les jeux les plus exigeants. Vous pouvez l'utiliser comme un outil de travail certes, mais il est parfait pour du gaming. Grâce à son poids de moins de 2 kg, il est ultra facile à transporter PC partout où vous voulez. Son écran de 15,6 pouces Full HD et le taux de rafraîchissement de 144Hz vous garantissent une image réaliste et détaillée pour encore plus d'immersion, tandis que la mise en avant de la zone ZQSD vous aide à être beaucoup plus précis pendant vos parties. Pour améliorer votre confort de jeu, ce PC portable est doté de la technologie Naimic 3D Surround pour un son encore plus immersif et du Wi-Fi 6, 3 fois plus rapide que la norme Wi-Fi 5 pour que vous puissiez profiter de vos jeux en ligne ou via cloud sans connexion filaire. J'ai lancé une partie de Cyberpunk 2077 2.0 sur ce Cyborg 15 A12 VF et le résultat est plutôt pas mal. Le jeu tourne presque à fond grâce au DLSS 3.5 en faisant quelques concessions sur le très gourmand ray tracing. La carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 4060 avec 16 Go GDDR6 optimisée pour la nouvelle architecture Nvidia Ada Lovelace fait bien son taf et la mémoire DDR5 et le SSD de 512 Go NVMe PCIe Gen 4 assurent une lecture et écriture parfaite du PC. Vous pouvez également utiliser le MSI Center pour activer le mode gaming pour maximiser les performances de la machine. Vous pouvez utiliser le lien en description pour obtenir plus d'informations sur ce PC portable Cyborg 15 A12 VF de MSI. Pensez également à profiter de superbes offres sur la page de vente d'Arty de MSI pendant la période de Noël pour l'offrir à vos proches ou pour vous l'offrir à vous-même. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bonjour, vous. Google Stadia, ça vous dit quelque chose ? Il s'agissait d'un service de jeu en streaming, du cloud gaming, porté par Google, qui se rêvait être le futur du jeu vidéo, au nez à la barbe des acteurs dits classiques du jeu vidéo, comme Sony, Microsoft, Nintendo, Valve, etc. Une idée toute bête, consécration d'appliquer les succès des services de cinéma à la demande en streaming, des Netflix et consorts au monde du jeu vidéo. La promesse de rompre définitivement avec les limitations technologiques des machines et, contre un abonnement, être toujours à la pointe, pour des jeux de plus en plus gourmands. Seulement voilà, Google étant ce qu'il est, Stadia ira rejoindre le cimetière des projets avortés qui n'auront jamais réussi à convaincre un large public. Il y a eu des enthousiastes, à juste titre, parce que c'était pas non plus une technologie à complètement jeter à la poubelle. Les promesses, elles étaient réelles, mais jamais suffisamment en tout cas, de sorte que même les quelques joueurs Stadia restants soient petit à petit ignorés au profit d'une fermeture dans l'agonie qui n'a jamais dit son nom jusqu'à ce que le couperet tombe définitivement. Entre temps, de mon côté, bon, j'ai eu le temps de largement commenter la sortie de la vie de Stadia, que ce soit en vidéo ou en podcast, il y a eu des vidéos dans lesquelles j'expose les limites de Stadia sur fond d'inquiétude du tout dématérialisé, mais je vous avoue qu'une rupture aussi nette et rapide, c'était quand même surprenant. Non, j'avoue, j'avais zéro surprise, hein. C'est Google. Stadia était destiné à reposer aux côtés de Google+. Cela dit, si je vous avais partagé mes songes sur le cloud gaming, j'ai jamais eu trop l'occasion de faire une rétrospective des raisons de l'échec de Google Stadia. Il s'est passé quoi en 3 ans pour que tout tourne au vinaigre à ce point quand le cloud gaming, lui, demeure encore une volonté tenace de l'industrie du jeu vidéo ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour Google et ses machines pleines de promesses, à l'époque largement au-dessus de la concurrence pour un service équivalent ? Quelles leçons, nous, gamers réguliers ou occasionnels, pouvons-nous tirer de cet échec ? Bienvenue dans la chute de Google Stadia. Alors ça, c'est la première présentation publique de Google Stadia, retransmise en direct devant le monde entier. C'est relativement connu, que ce soit pour l'attrait relatif du public ou pour la mise en scène de la technologie à grands coups de comparatif de puissance. On va y revenir, évidemment, mais pour bien raconter notre histoire comme il le faut et pour bien comprendre pourquoi Stadia, c'est mine de rien un sacré potentiel gâché, va falloir qu'on remonte un tout petit peu avant tout ça. Google Stadia, avant que ça ne s'appelle Stadia, portait un nom, celui du nom de code de Project Stream, un nom plus officiel d'un autre projet encore, hein, le projet Yeti, que Google avait en réserve depuis 2016. Un projet assez évocateur des ambitions de Google, qui voulait faire du streaming de jeux vidéo. J'ai vraiment pas envie de vous perdre, alors quand tu auras des termes techniques, je vais prendre le temps de les définir eux aussi, surtout que ben, mine de rien, ça aussi c'est important de bien saisir de quoi est-ce qu'on parle pour en saisir les enjeux et les difficultés.
vraiment. Le streaming de jeux vidéo, c'est un service qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo en temps réel via Internet sans nécessité de téléchargement ou d'installation de jeux sur un ordinateur ou sur une console. Les jeux sont hébergés et exécutés sur des serveurs distants et les images et les commandes sont transmises via le réseau. Cela permet aux joueurs d'accéder à des jeux de haute qualité sur des appareils moins puissants comme sur des ordinateurs portables, des smartphones ou encore des téléviseurs intelligents, car la majeure partie du traitement graphique et de la puissance de calcul qui est demandée, elle est effectuée sur un serveur distant, la source de votre stream. C'est une technologie qui nécessite beaucoup de moyens et une grosse infrastructure réseau, ce qui est le cas de Google. Techniquement. C'est le plus gros moteur de recherche au monde, à la pointe en la matière, il y a des tonnes de data centers. On parle d'une infrastructure réseau mondiale comprenant 90 points d'interconnexion internet et plus de 7500 nœuds de périphérie capables de délivrer une expérience cloud gaming à grande échelle. Mais surtout, on parle d'une longue expérience en matière d'innovation technologique, avec en sus un partenariat avec AMD pour assurer le volet graphique et la promesse de fonctionner depuis n'importe quel navigateur Google Chrome. Google Stadia s'appuie même sur l'exploitation des données et le machine learning qui font la force de la firme depuis toutes ces années pour notamment analyser et prévoir les latences des joueurs et améliorer certains aspects des jeux. La latence, c'est peut-être bien la plus grande peur des joueurs en matière de cloud gaming. La latence en cloud gaming, c'est le temps que mettent les données pour voyager de l'appareil du joueur au serveur et revenir. Elle désigne le délai entre l'action du joueur, comme appuyer sur un bouton de saut, et la réaction correspondante dans le jeu, voir le personnage sauter. Une faible latence est essentielle pour une expérience de jeu fluide et réactive, surtout dans des jeux nécessitant des réactions rapides. Et ça, les joueurs, quand la latence elle est trop élevée, ils aiment pas du tout. On peut pas l'esquiver, on en a même hors ligne du moment que vous jouez avec des manettes sans fil par exemple, mais c'est un vrai tue-l'amour en cloud gaming, tant parfois on peut atteindre facilement la seconde de délai entre l'action demandée et sa réalisation à l'écran. Après, on en reparlera, mais la latence, c'est peut-être pas le souci le plus pénible à mon sens avec le cloud gaming de manière générale. Google a donc la technologie et l'expérience technologique nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Ne manque qu'une forme d'expertise que ne peuvent délivrer que des acteurs du milieu. Voilà pourquoi Phil Harrison, le monsieur que vous avez vu sur la keynote de présentation de Stadia, sera débauché de Microsoft pour gérer Project Stream. Et ce monsieur, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien de chez Atari, c'est vrai. Mais c'est surtout son passage chez Gaikai qui va nous intéresser. Gaikai, c'est un des pionniers du cloud gaming. C'est une société qui a été rachetée par Sony en 2012 et dont la technologie sert de fondation pour le PS Now actuel qui sera transformé en PlayStation Plus Premium. C'est pas étonnant de le voir débarquer en tant que directeur du Project Stream dès 2018, en même temps que sont recrutés de très nombreux développeurs pour soutenir ce qui se présente en interne comme un énorme pari pour Google. Se lancer dans le jeu vidéo, c'est quelque chose que l'AGAFAM veut depuis déjà un petit moment, fort de tous les autres outils développés qui vont en ce sens, que ce soit sur le marché mobile ou les infrastructures vidéo de YouTube, qui seront résolument mises à contribution pour participer à l'effort de guerre. Et c'est à partir de l'arrivée de Phil Harrison que les choses vont commencer à s'accélérer. En octobre 2018 est annoncé un bêta-test fermé du service, avec à la clé une version d'Assassin's Creed Odyssey offerte à toutes celles et ceux qui répondent aux critères de vitesse internet. Et parce que pour faire du jeu vidéo, faut bien faire des jeux vidéo, en mars 2019 est créé Stadia Games and Entertainment, une division dirigée par la très connue Jade Raymond, qui a déjà travaillé auparavant pour Ubisoft, dont l'objectif est de créer des jeux exclusifs à Google Stadia. En 2019. Non mais vous le voyez, le premier red flag de Stadia ? Non ? Toujours pas ? Oh, c'est pas grave. Reprenons donc la présentation publique de Stadia par Phil Harrison en mars 2019. Le showcase Stadia est ouvert par Sundar Pichai, le PDG de Google, affirmant au passage vouloir porter Stadia au rang de service aussi indispensable dans le monde du streaming jeux vidéo que ne l'est Netflix pour les séries et pour les films, avant donc de passer la main à Phil Harrison, là pour présenter le service, technologiquement parlant en tout cas. C'est Assassin's Creed Odyssey qui va servir d'exemple de jeu pendant la conférence, ce qui fait sens quand on sait du coup que les bêtas de Stadia se sont faites avec. Google Stadia n'aura pas de support matériel physique, c'est vraiment le point névralgique de la communication de Google, seule la manette est indispensable. Le service étant entièrement dématérialisé, promesse étant faite de pouvoir
y accéder n'importe où, du moment que Google Chrome est installé. Et aussi pour peu que vous ayez une connexion internet véloce. On parle d'un minimum requis de 5 mégabits par seconde en débit descendant pour jouer en 720p, 60 images seconde et audio stéréo, jusqu'à 35 mégabits par seconde pour de la 4K 60 fps, HDR et 5.1 surround. L'objectif dans le futur étant de permettre le jeu en 8K 120 fps, puisque l'avantage aussi du jeu dans le nuage, c'est, on le rappelle, de pouvoir s'affranchir de tout renouvellement de matériel. Enfin, hormis votre écran, hein, qu'on s'entende. N'importe quelle manette d'ailleurs fera tout à fait l'affaire pour jouer sur Stadia. À ceci près que pour la meilleure expérience possible, une manette dédiée sera présentée. Elle est simple dans la forme, elle a un look d'un contrôleur Xbox épuré, au stick plutôt symétrique qu'asymétrique. La petite feature indispensable se trouve à l'intérieur puisque la manette n'est pas totalement en Bluetooth mais se connecte en Wi-Fi directement au data center du service Stadia, histoire de pallier ce problème terrifiant de latence qui est définitivement une angoisse de tous. On a ensuite une autre technologie, ma foi plutôt intéressante, qui est présentée, je dois bien vous l'avouer, qui était l'intégration de Stadia à YouTube via deux features, le Quick to Play et l'intégration du service au live stream YouTube. La première permettait de cliquer sur des liens intégrés aux vidéos de jeux présentés via des trailers pour, depuis YouTube, directement lancer une partie sur le jeu concerné du moment que vous utilisiez Google Chrome. C'était plutôt pratique, en vrai, pour directement essayer un jeu qui nous plaît dans la seconde. La seconde technologie, quant à elle, promettait au viewer YouTube de rejoindre la partie d'un streamer en cliquant sur un bouton dans le chat. Et en vrai, j'avoue, ça donne envie, ça. Y avait moyen de véritablement apporter de la fraîcheur sur certains jeux vidéo, et surtout d'être totalement à la page avec la mode du streaming des jeux. J'aurais été très curieux de voir tout ça fonctionnel, mais malheureusement, bon, ce genre de feature va débarquer très tard dans la vie de Stadia, et pour clairement pas assez de jeux. Surtout, au-delà des promesses qui font vraiment envie, il y a aussi déjà de très grosses inquiétudes de la part de tout le monde, et ce dès l'annonce de Stadia. Si beaucoup de professionnels de la presse soulignent la technologie de pointe mise au service de Stadia pour faire tourner les jeux convenablement, de manière rapide et puissante, avec le moins de latence possible, pour peu évidemment que la connexion elle suive derrière, on le rappelle, eh ben c'est bel et bien le modèle économique qui va faire grincer des dents. La présentation de Google en mars 2019 avait été relativement floue sur le sujet, en réalité. Si Sundar Pichai, le PDG de Google, parle de Netflix, c'est pour une bonne raison. Tout le monde s'attend à ce que Google adopte un modèle similaire, le Netflix du jeu vidéo étant sur toutes les lèvres. Comprenez par là un service à abonnement dont le tarif resterait à définir, avec l'accès illimité à un catalogue de jeux et éventuellement porté par de grosses productions maison. Seulement, le détail qui tue, c'est que jamais Sundar Pichai ne parlera de Netflix du jeu vidéo, mais bien de se positionner comme un service aussi important que Netflix, mais dans le domaine du jeu vidéo. C'est confus, évidemment que c'est confus, et c'est totalement volontaire, bien sûr, parce que la réalité va très vite rattraper Google. Si certes Stadia va se doter d'une formule par abonnement pour profiter de jeux en 4K, ainsi que des quelques jeux gratuits distribués ponctuellement à la manière du PlayStation Plus, la version gratuite limitant votre résolution et ne vous offrant aucun jeu, il faudra acheter les jeux qui vous plaisent, et parfois au prix fort, pour des jeux déjà assez vieux. Dans mon cas, pour pouvoir tester Google Stadia à sa sortie le 19 novembre 2019, j'ai acheté Final Fantasy XV sur le store à 50€. En 2019, hein, 3 ans après la sortie du jeu partout ailleurs. Et encore, moi j'avais quand même eu la chance de recevoir un pack Founder envoyé par Google, m'épargnant l'achat de la manette et du Chromecast facturé normalement à 129€. Ajoutez-y le prix du jeu et l'abonnement à 10€ par mois, et oui, effectivement, c'est pas tout à fait comme Netflix. Hein. C'est même assez compliqué à défendre comme modèle, surtout quand le peu de jeux disponibles à la sortie de Stadia sont disponibles partout ailleurs à des prix inférieurs, même pas forcément en occasion, hein, mais directement sur les stores des concurrents, et je parle même pas des versions PC. Le tout pour un appareil dont on ne sait pas comment il fonctionne, et s'il fonctionnera vraiment, il y a beaucoup trop d'inconnus à la sortie de Stadia, et c'est difficile de faire l'effort d'achat. Même si c'est moins cher qu'une console, bah, c'est littéralement du vent, puisque tout est dans le nuage. Le deuxième souci qui va sauter aux yeux bien avant la sortie de Stadia, c'est que les promesses les plus alléchantes ne vont pas arriver du tout à la sortie du produit. Tous les appareils ne sont pas forcément compatibles avec Stadia. Il y a des soucis de compatibilité, genre au tout début du lancement du service, seuls les Google Pixel et les tablettes sous Chrome OS étaient compatibles. Non mais, même pas tous les téléphones Android, hein.
juste les Google Pixel. Il n'y avait pas de casque Bluetooth non plus, mais bon, ça, je suppose que c'est lié à des soucis de latence audio. Et si tout ça sera déployé de manière beaucoup plus large avec le temps, bah ça va quand même la foutre mal. Le pire étant surtout qu'il y a aussi un gros manque de technologies pourtant parmi les plus prometteuses, et ce au lancement. Il n'y a pas de click-to-play et encore moins d'intégration des jeux au live stream, la fameuse feature faisant intervenir les viewers dans la partie d'un streamer. Puis Stadia va sortir, et là la douche elle est encore plus froide. Enfin encore un peu plus froide. Non vraiment, même le service il n'était pas tout à fait au point. Pas au point, ou peut-être pas tenable. Il y a des problèmes inhérents aux jeux en streaming qui pour moi... ce sont de réels défis, peut-être bien insurmontables. En fait, le souci, c'était que même avec une connexion internet irréprochable et un équipement au top à la maison, jouer en streaming, c'est rempli de petits défauts d'importance variable qui, au moindre pépin, peuvent vous gâcher la vie. Qu'on s'appelle Google, Nvidia, Microsoft ou PlayStation, il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour que la solidité des infrastructures seules permette d'avoir une expérience aussi solide que sur une console ou sur un PC domestique. Et avant que j'énumère les soucis techniques de Google Stadia, je tiens quand même à préciser 2-3 petites choses, notamment que les tests ont été les miens et ceux de la presse nationale ou internationale, bah ils ont été faits avec des réseaux Velos. J'étais fibré, je le suis toujours encore, hein, en Ethernet, connecté directement au box, soit bah, dans tous les cas, en général, un matériel nettement supérieur à ce qui était requis et de bien meilleure facture que la majorité des équipements internet grand public. Bien, la latence. Déjà, c'était le cheval de bataille de Google avec sa manette connectée en Wi-Fi directement au data center du service. Et si effectivement cette manette permet sur le papier une meilleure réactivité, dans les faits, c'était au petit bonheur la chance. Tous les jeux n'ont pas le même input lag pour on ne sait quelle raison. Des problèmes dans le netcode, des jeux favorisés par la bande passante en fonction de leur popularité, un Final Fantasy XV par exemple, ça pouvait dans mon cas frôler la seconde de réponse quand un Red Dead Redemption 2, lui, était aux alentours de 150 millisecondes, quand pour certains jeux encore, la différence avec les versions PC, elle était quasiment imperceptible. Visuellement, ensuite, il y a des choses un peu plus fâcheuses qui sont arrivées. Le HDR était vraisemblablement buggé, offrant une compatibilité avec certains téléviseurs pourtant HDR assez compliqué, mais le pire étant surtout la sensibilité de Google Stadia aux instabilités réseau, en particulier si vous utilisez le service en Wi-Fi. Une connexion internet, même fibrée, ne délivre pas en continu son débit maximum. Et au cours d'une journée, en fonction de l'utilisation de la bande passante, le débit varie. Genre, mise à jour surprise de votre téléphone, ou votre petite sœur s'est dit qu'elle allait regarder une série sur Netflix. Ou tout simplement, scénario le plus probable, c'est dimanche, tout le monde est à la maison et tout le monde est connecté. Et lorsque ce débit varie à la baisse, pourtant normalement un débit qui est toujours dans les conditions d'utilisation de Google Stadia, eh bien Stadia avait tendance à paniquer, baissant la résolution drastiquement et provoquant les artefacts visuels que vous connaissez peut-être déjà, à grands coups de blocking, quand l'image devient partiellement ou totalement pixelisée, voire se fige momentanément en attendant un rafraîchissement plus ou moins long. Ou encore les cas de mosquito noise qui sont très fréquents. Vous savez, hein, c'est ce bruit très moche qui vient en contour d'un objet en vidéo qui ressemble à une nuée de moustiques. Bon, tout ça c'est des noms bien rigolos pour ne désigner que des artefacts de compression. Il y en a plein d'autres et je suis sûr que vous les connaissez sans savoir les nommer. C'est dû à l'instabilité du réseau. Soit le vôtre, si votre Wi-Fi ne tient plus la route, soit celui de votre opérateur. Soit encore parfois, c'est carrément en amont, sur les data centers, que le chemin il coince. Il y a plein d'explications à ce genre de soucis rencontrés qui dépendent même pas en fait de services de cloud gaming comme Stadia, qui pourtant je le rappelle a une infrastructure saluée comme solide. Et je sais bien aussi que dans l'immense océan des joueurs et des joueuses, il y en a ponctuellement qui arrivent, un ou deux, hein, qui rencontrent jamais de soucis et qui crient assez fort pour être convaincants. Sauf que bon, ce qu'ils vous disent pas, c'est que bah, ils sont seuls chez eux, et qu'ils sont les seuls maîtres à bord de leur réseau domestique, qui en général est plutôt bon. Et au courant de comment optimiser leur propre réseau. En fait, il y a tellement de moments pendant lesquels ça peut dérailler que c'est pour moi complètement hors sol d'imaginer voir le cloud gaming un jour se démocratiser. Surtout que bah, j'ai même pas abordé un autre souci qui aujourd'hui me hérisse le poil. Mais vous savez que 35 mégabits par seconde, c'est pas suffisant pour transférer des données en 4K ? Hein ? Un film en Blu-ray 4K par exemple, ça propose un encodage en HEVC ou en H.265 pouvant offrir un débit vidéo de 82 Mbps à 128 Mbps.
pour un film. C'est pour ça qu'on attend de vous que vous puissiez avoir un lecteur Blu-ray 4K pour lire le film et un câble HDMI 2.1 High Speed ou Ultra High Speed qui coûte quand même nettement plus cher qu'un câble HDMI traditionnel. Il y a des tonnes de données à faire passer autrement plus lourdes que la simple résolution du film. Il y a sa norme HDR, Dolby Vision, HDR10, les deux. Il y a le son bien sûr, hein, stéréo, 5.1, 7.1, Dolby Atmos, DTS. Et à quel moment faut être naïf au point de se dire que le jeu vidéo réclamerait moins de vitesse de transfert qu'un film ? C'est déjà loin d'être suffisant pour du streaming sur Disney+ ou sur Netflix en qualité optimale. Alors du jeu vidéo, vraiment, c'est évident qu'il y a des concessions qui sont faites et qui vont se voir. Des concessions visuelles et audio, indépendantes de la puissance brute de la source. Si tu veux assurer que, comme le marketing l'a assuré, ton jeu puisse tourner en 4K effectif, il va falloir faire des concessions. Des concessions qui passent par une méthode de compression assez vénère pour réduire les vitesses de transfert et arriver au plafond théorique requis de 35 Mbps, la qualité optimale de Google Stadia. Une compression qui va avoir un impact sur la plage des couleurs, sur la qualité du son, pour que reste une expérience satisfaisante au mieux, en 4K, avec le moins de latence possible, mais forcément, évidemment, à des années-lumière de ce qu'une console ou un PC peut faire tourner localement. En fait, j'ai bien conscience sur ce point très précis de la qualité visuelle des sources vidéo et audio en streaming de jouer les élitistes un petit peu trop présomptueux, et je tiens d'avance à vous présenter mes plus plates excuses sur ce point-là. Je comprends que je dois être casse-pied et que ça doit pas être très agréable d'entendre un mec pinailler, un mec privilégié avec un bon équipement audiovisuel, vous faire la morale sur pourquoi on regarde des images pas ouf sur Netflix. Le 1080p, autant que je sache, c'est une bonne résolution haute définition, c'est la plus commune. Le HDR n'est pas une norme si répandue que ça sur la masse de téléviseurs. Quand regarder des films, jouer à des jeux et de manière plus générale consommer des trucs et des machins, ça se fait sur un téléphone dans des conditions de toute manière de base bridées, mais qui conviennent à tout le monde. Le but premier, c'est de pouvoir y accéder. En fait, le souci que j'ai, c'est qu'on a tendance à sous-estimer la qualité réelle des produits que l'on a déjà. Des télés, des moniteurs ou même des smartphones, hein, ce sont des produits qui, même en entrée milieu de gamme, ont un potentiel au moins visuel nettement supérieur aux sources qu'envoient les services de streaming. Et je parle pas seulement de résolution, hein, mais bel et bien d'espace colorimétrique, de grains, de corps, de perspectives, qui se retrouvent tout le temps écrasés par cette nécessaire compression des données. La qualité, c'est un fait, elle s'est démocratisée. Il y aura toujours, évidemment, des techos over the top, mais la qualité des appareils que l'on utilise au quotidien, bah, elle s'est bien répandue. Votre smartphone aujourd'hui est de meilleure facture que celui d'il y a 10 ans. Alors pourquoi en brider son potentiel par convenance ? Il y a beaucoup trop de pertes avec le streaming de contenu, que ce soit jeux vidéo, musique, cinéma, actuellement, pour que je sois satisfait. Ce sont d'ailleurs des pertes qui vont s'amplifier à mesure qu'on est de mieux en mieux équipé, parce que bah, évidemment que meilleur est ton écran, et plus les défauts vont sauter aux yeux. J'espère que vous dites bien à votre daron qu'acheter un LG G5 de 75 pouces pour mater Oppenheimer sur Prime Video, c'est triste un peu, hein. Encore une fois, j'entends que ça suffise, hein, pour tout le monde, mais c'est dommage de tirer toujours plus vers le bas pour voir à quel moment ça va devenir totalement inacceptable. D'ailleurs, j'y pense, hein, cette histoire de technologies qui suffisent, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Sony a fait l'impasse sur l'OLED pour son portable. Vous savez, ça a été décrié pendant un sacré moment qu'il n'y ait pas d'OLED sur le PlayStation Portal. Et pour moi c'est simple en fait. Mettre une technologie qui rend les couleurs plus belles et les noirs plus profonds, quand t'es pas capable de rendre les couleurs et les noirs originaux couplés à la somme de tous les pets visuels inesquivables du streaming, ouais non, pourquoi s'infliger ça? Autant rester sur du LCD? Ça suffira. Et cette carence technique, c'est quelque chose qui allait de toute manière aussi, un jour ou l'autre, pénaliser Google sur le long terme. Même si, pour être tout à fait honnête, Google a pas eu besoin de ça pour se planter. Dès que le service fut mis en place, Stadia allait recevoir des critiques qui allaient fuser de toutes parts. Et à ce moment-là, je me disais que quand même Google allait pouvoir redresser la barre. Un lancement foireux, ça ne serait pas une première dans l'industrie du jeu vidéo. Surtout que même si j'étais plutôt sceptique à la base, il y avait quand même quelques joueurs qui avaient été plutôt convaincus par le service, et ce malgré les promesses non tenues. Et en février 2020, il y a un événement important qui va complètement bouleverser les habitudes de vie de tout le monde, ainsi que complètement chambouler l'industrie du jeu vidéo. Nous sommes en guerre.
À ce moment-là, les gens sont chez eux, le télétravail n'est pas encore tout à fait opérationnel, on s'ennuie ferme, par voie de conséquence, les services de divertissement vont exploser au point que la question se pose de brider la bande passante des ménages. On a toute l'industrie du jeu vidéo qui va connaître une explosion de ses revenus, le dématérialisé va opérer un tournant pour devenir une norme. Mais Google, dans tout ça, ne parvient pas à en profiter. En fait, autant on peut commenter les faits et gestes de chacun des acteurs du jeu vidéo pour capitaliser, toujours un petit peu plus d'ailleurs, hein, sur ce petit miracle économique incident qu'ils vivent, autant c'est fou ce que Stadia ne parvient pas à se saisir de cette opportunité et va rien se passer. J'ai presque envie de vous dire que c'est un peu logique, en fin de compte, cet immobilisme de Stadia. Je vous le rappelle, mais le studio Stadia Games and Entertainment de Jade Raymond, il a moins d'un an à ce moment des faits. Hein. C'est déjà fantasque de s'imaginer voir des jeux pondus en interne par Google en moins d'un an. C'est carrément mission impossible de les voir venir, alors que plus personne ne peut venir au bureau pour bosser. À peine créé que le studio chargé de donner une identité à tout Google Stadia par de la création et de la mise en avant de jeux, devait se confronter à l'un des changements de paradigme les plus importants de nos sociétés de ces 50 dernières années, le télétravail. Puis l'équipe marketing dans tout ça, elle y est pas allée de main morte non plus, hein. C'était un peu couillon de leur part de mettre en avant via des publicités de Stadia le catalogue de jeux au détriment du confort du streaming. Quand t'as pas de catalogue de jeux. Pendant un long moment, le seul jeu exclusif à Google Stadia porte-étendard du service, c'était Guilt. Il y a eu des réceptions correctes un peu timides, mais loin d'être la fameuse qui leur a pas tendu. Et en l'absence de véritable expérience en tant que faiseur de jeux vidéo, ce qui in fine lui fera vraiment défaut, plus que les problèmes de timing en tout cas, la Covid et les errements de communication, Google va dépenser des sommes assez folles pour des portages de jeux existants ailleurs. Une stratégie qui peut fonctionner mais qui intervient après un tel retard après la sortie des 10 jeux que ça rend l'action quelque peu futile. Ah bah c'est sûr, hein, c'est dur de convaincre des développeurs de sortir des jeux sur un service aussi peu populaire. Alors, les promesses de jeux exclusifs, elles arrivent, hein, sans horizon de sortie. C'est dommage, hein. On sait notamment que Supermassive Game développe une de leurs expériences en exclu sur Stadia, ce qui deviendra The Quarry, qui comporte d'ailleurs des restes technologiques de Stadia dans la version sortie partout après, comme le choix des viewers en stream, qui finalement pouvait très bien se faire sur Twitch en fait. Ou encore que le gros projet d'un certain studio belge, l'Ariane, d'un certain Baldur's Gate 3, devrait arriver en exclusivité sur Google Stadia. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, ouais. À la base, le GOTY 2023 devait sortir uniquement sur Stadia, avant de progressivement s'envisager ailleurs. Et surtout sortir 6 mois après la fermeture définitive du service de Google. Ouais, bon, vous voyez, je crois qu'il y avait quand même un problème dans la gestion du projet de Stadia. Et les gens, ils sont pas bêtes, hein. Si t'as pas de jeu, pourquoi je viendrais sur ton service? Pourquoi communiquer sur les jeux quand il n'y a pas de jeu? Surtout qu'à côté se développent aussi des formules de cloud gaming pas forcément plus quali, mais qui eux, bah, ils ont des jeux. Le xCloud par exemple, la formule de cloud gaming du Game Pass, elle prend son temps. Elle est bloquée dans de basses résolutions, mais se base sur le catalogue du Game Pass qui, déjà, même s'il est moins fourni qu'aujourd'hui, en 2020 et 2021, est autrement plus alléchant que tout ce que Stadia n'aura jamais proposé. Idem pour le PlayStation Now avant sa fusion avec le PlayStation Plus pour devenir les services Essential, Extra et Premium qui, bah, s'il avait du mal à convaincre, pouvait se baser sur un catalogue rempli de jeux de l'histoire PlayStation. Enfin, si GeForce Now, la formule cloud gaming de Nvidia, rencontrait quelques soucis avec Steam, avec notamment des inclusions non validées de jeux sur sa plateforme, force est de constater qu'il s'agissait d'un acteur autrement plus pertinent que Stadia, avec une technologie tout aussi efficace. Des concurrents qui vont totalement éclipser Google du paysage pendant les 2 années qui vont suivre son lancement. Alors qu'encore une fois, en termes de technique pure et dure, Stadia c'était ultra solide. Est-ce que vous vous souvenez de la sortie désastreuse de Cyberpunk 2077 ? Oui, je sais, encore Cyberpunk. Eh bien, vous saviez que les meilleures versions du jeu, elles étaient sur Stadia et GeForce Now, en plus de la version PC. Google n'a même pas utilisé cette chance de mettre en avant un jeu décrié pour sa qualité partout ailleurs, sauf chez lui, pour promouvoir ses propres services. Je crois qu'à un moment donné, aux alentours de 2020-2021, Google a juste lâché l'affaire, complètement désillusionné par un succès qui ne vient pas, entamant alors une mort lente, non pas sans quelques soubresauts de cynisme, et de malhonnêteté. Google Stadia ne va jamais s'améliorer. Le service va même faire une succession de choix douteux qui sont en réalité la conséquence première d'un manque d'expérience en tant qu'entreprise du jeu vidéo. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui demande du temps.
des tests et surtout de commencer avec peut-être des ambitions beaucoup plus modestes. On se souviendra, je pense, pour toujours de cette image. Cette image, c'est une photo qui est sortie lors de la présentation de Google Stadia. C'est une mise en scène aux côtés d'objets peut-être trop en avance sur leur temps, comme la Dreamcast ou le Power Glove ou E.T. sur Atari. Se voulant être un message fort, Stadia s'inscrit dans l'évolution du jeu vidéo et il en sera la prochaine étape où va se vautrer lamentablement. Bon, désolé, spoiler, mais il s'est vautré. Par contre, les raisons de son échec ne sont pas celles avancées parce que cette photo pouvait suggérer. Et j'aurais même tendance à croire, après coup, qu'elle était sacrément présomptueuse. Ouais, même E.T. avait plus de légitimité à être là que Google Stadia. La vraie erreur de Stadia, si et seulement si Stadia devait quand même arriver en 2020, parce que j'estime qu'ils sont toujours arrivés trop tôt, ça a été d'ouvrir Stadia Games and Entertainment au même moment que l'annonce du service en 2019. C'est impensable d'imaginer voir arriver un jeu vidéo fini dans l'année qui suit sa mise en chantier pour n'importe quel studio de développement. Même Ubisoft, à grands coups de production décentralisée aux quatre coins du monde, mettait au bas mot 4 ans à produire un jeu. Et c'est déjà un timing trop serré, dont le risque évident, c'est un jeu pas tout à fait polish, rempli de bugs corrigés via des patchs de plusieurs gigaoctets en intraveineuse. Même si Google c'est Google en admettant que c'est des petits génies de la Silicon Valley, bah y a des choses, c'est juste pas réalisable. Et Google va s'en rendre compte, priorisant à mi-chemin l'expansion du catalogue qui lui faisait tant défaut par la conclusion d'accords avec des entreprises tierces. Et vas-y que je te sors le chèque avec des sommes astronomiques de plusieurs dizaines de millions de dollars pour porter Red Dead 2 et Assassin's Creed. Oui, d'ailleurs, porter. Non, parce que, je l'ai pas précisé, mais Stadia, ça n'est pas un PC, et ça n'est pas une console non plus. L'architecture AMD, elle est connue, certes, mais les jeux, faut les porter et en créer des versions spécifiques à chaque fois. Des sommes tellement ahurissantes qui sont déployées qu'elles en viennent, et je cite Jason Schreier chez Bloomberg, à choquer certains vétérans de l'industrie. Un petit peu comme si pris de panique, Google dépensait sans compter, persuadé qu'il avait sa carte à jouer et qu'il ne devait pas laisser passer sa chance. Ce sera évidemment jamais assez, Stadia s'y prend beaucoup trop tard, non seulement il faut faire ce travail d'adaptation au service, ce qui vient expliquer peut-être quelque part pourquoi est-ce que la latence perçue, elle est au cas par cas en fonction des jeux, mais en plus de ça, plus le temps passe et moins Stadia parvient à convaincre des acteurs de l'industrie du jeu vidéo qu'il s'agit d'un modèle viable. Et en même temps, ça se comprend, si Red Dead 2 n'attire pas les foules et que même Google ne parvient pas à capitaliser sur la bonne facture de sa version de Cyberpunk 2077, c'est qu'il y a une anguille dans le pâté. Sur l'année 1 de Stadia, le catalogue ne va que très peu évoluer, ne parvenant pas à convaincre plus que ça de nouveaux joueurs. Sans parler que même sur un plan purement technique, ça a de plus en plus de mal à tenir, hein, les fameuses promesses de lancement. La fameuse synergie YouTube Stadia, qui se fait attendre, encore, toujours. Guilhem Fernandez, consultant spécialiste du cloud gaming pour le cabinet Newzoo, va qualifier la situation de Google Stadia d'inextricable. D'un côté, les éditeurs ne mettent pas leur jeu sur Stadia parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, et de l'autre, les joueurs ne vont pas sur Stadia parce qu'il n'y a pas assez de bons jeux. Du coup, on fait comment? Surtout quand on a un poil d'orgueil. Ben, on temporise, dans l'espoir que ça aille mieux. Sauf que ça n'ira jamais mieux, et qu'à un moment donné, aussi orgueilleux que tu puisses être, ben c'est le réel qui vient te rattraper. T'as foiré ton projet, tu assumes les conséquences. Non, je déconne, t'assumes que dalle, hein. Tu fais un beau sourire devant tout le monde et tu les vires le lendemain. Et c'est exactement ce qu'il va se passer en tout début d'année 2021. Je vous explique. Phil Harrison, PDG de Google Stadia, fait ses vœux en envoyant un mail à tous ses employés. Jusque-là, rien d'anormal, joyeux Noël. Bon, ok, Stadia n'est pas parti avec la meilleure des impulsions, mais qu'à cela ne tienne, Stadia va rebondir et s'en sortir, exprimant au passage, je cite, sa confiance et son ambition pour l'avenir des studios bossant avec Google. Comprenez par là, tous ceux dont la charge colossale est de créer des exclusivités pour le service Stadia. Le monsieur assure même avoir de grands projets et va confirmer au passage l'arrivée imminente d'une enveloppe importante pour soutenir tout ça. 5 jours plus tard, Stadia Games and Entertainment ferme, mettant à la porte ses 150 employés qui jamais, jamais n'auront eu le temps de pondre un jeu. C'est évidemment un choc pour tout le monde, surtout pour les employés, vous vous en doutez. Surtout après de tels mots pour rassurer les troupes. Évidemment, on va poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce revirement soudain après tous ces gentils mots. Et rien? Non, vraiment, d'après Phil Harrison, rien ne s'est passé entre-temps. Bon, il admettra bien avoir déjà été mis au courant des plans de licenciement avant l'envoi du fameux mail, ce qui questionne un petit peu sur les intentions du monsieur. Pourquoi essayer de garder la face à ce point? Ben on sait pas. On sait pas, hein.
Et en soi, on s'en fout, c'est pas important de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il l'a fait, c'est tout. Alors, évidemment, il y a des suspicions. On le soupçonne d'un changement de stratégie radicale en interne. Faire des exclusivités, ça ne serait pas aussi efficace que prévu à court terme, sachant que Stadia ne s'envisageait de toute manière que sur du court terme, ça ne m'étonne pas tellement. Du coup, on peut s'imaginer que, après le rachat par Microsoft de ZeniMax et Bethesda dans le même trait de temps, il se pourrait que Google ait estimé que la meilleure chose à faire serait d'utiliser la carte piège GAFAM en achetant des trucs à tour de bras aussi. Mais dans ce qui est peut-être un ultime éclair de lucidité, ça ne se fera jamais. Probablement la faute à un retard irrattrapable, que Google se serait rendu compte, face à une concurrence qui a les moyens et l'expérience. Probablement aussi la faute, on se l'imagine, à une nouvelle génération de consoles de jeux vidéo qui arrive et qui forcerait Google à réinvestir encore des millions voire des milliards dans le renouvellement d'un matériel qui de base ne convainc pas des masses, hein. Mais c'est aussi, et surtout pour moi, la faute à une image malmenée, écornée par les rares communications toujours hasardeuses de Google. Les équipes techniques s'en sont bien sorties. En revanche, la vision stratégique, le marketing et le modèle économique ont finalement pesé plus lourd dans la balance. Mais rassurez-vous, Google Stadia restera ouvert. On se recentre sur le service en lui-même. Est annoncé à qui veut bien l'entendre que l'infrastructure, elle est solide et disponible. Pas la peine de vous faire languir plus que ça. 7 mois plus tard, le 29 septembre 2022, Google Stadia va fermer ses portes définitivement avec arrêt des serveurs en janvier 2023. Bien que l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n'a pas gagné l'adhésion des utilisateurs et utilisatrices que nous attendions. Nous avons donc dû prendre la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia. S'il y a bien un truc que Stadia a réussi, vraiment, c'est sa mort. Je déconne pas, hein. Pour le coup, ils ont été relativement ok sur ce que la fermeture du service avait comme conséquence. Un système de remboursement des jeux va être mis en place, c'est le strict minimum attendu par toute personne saine d'esprit, et c'est pourtant pas quelque chose qui nous est garanti en cas de fermeture de ce genre de service de jeu. Alors, bien entendu, ça va prendre du temps, ça va demander une ultime formalité, mais ce sera fait. J'aurais été remboursé de mon Red Dead Redemption 2 et de mon Final Fantasy XV. Au dernier prix pratiqué sur la plateforme, c'est vrai, hein, forcément plus bas que quand je les ai achetés du tout début, on va dire que c'est déjà ça. Bon, évidemment, il y aura aussi quelques petits couacs, comme sur le cas des sauvegardes, par exemple. Il y a eu un système pour récupérer ces sauvegardes et les transférer sur des versions PC des jeux, comme on peut, en utilisant Google Takeout. C'est un peu fastidieux, un peu long, il y a des manipulations à faire, mais c'est faisable. En général, c'est au studio responsable des jeux que reviendra la tâche de rendre la migration des sauvegardes possible, ou de moins mettre au courant les joueurs qu'il existe des solutions. C'est ce que feront Ubisoft, CD Projekt et consorts pour que le temps investi dans un jeu sur Stadia ne soit pas perdu à tout jamais. En tout cas, au moins pour les jeux solo. Non, parce que si vous jouiez en ligne à vos jeux, comme le YouTuber Color, qui a passé plus de 6000 heures sur Red Dead Online, c'est différent, parce qu'en général, il n'y avait pas vraiment de crossplay et que les jeux comme Destiny 2 avaient des serveurs en ligne dédiés à Stadia. Alors, Bungie va très vite mettre en place une migration sur ses serveurs PC, mais pour Rockstar, bon, je vous fais pas un dessin, le online de Red Dead 2 étant quelque peu délaissé par le studio, les joueurs Stadia allaient juste tout perdre parce que c'était pas vraiment ce à quoi Rockstar voulait travailler. Il aura fallu que Color fasse parler de lui sur les réseaux, sur les différents canaux de communication de la presse, et sur sa chaîne YouTube, pour que Rockstar mette en place un dispositif de transfert pour les joueurs Stadia qui ont joué à Red Dead Online. Ouf, on est rassuré pour eux. Mais au-delà de ce cas très particulier, en vrai, ça va bien se passer, hein, même pour la manette. Vous savez, celle directement connectée au data center de Google. Un patch et une petite bidouille sera déployée pour transformer votre manette Wi-Fi en manette Bluetooth compatible avec vos appareils, histoire que l'objet ne devienne pas une simple brique. Si vous en avez une, et que vous ne l'avez pas encore faite, hein, cette petite bidouille, faites-la, parce que en janvier 2024, vous ne pourrez plus le faire, ce sera retiré. Voilà prévenu. C'est assez dingue, parce que, avec tout ce service post-mortem, et même la disparition de ce service, avec la disparition des patchs des manettes, j'ai vraiment l'impression que Google Stadia n'a jamais existé. Comme si c'était une folie passagère. Renforcée par le côté qu'il n'y a jamais eu de console non plus, que ça s'est toujours fait dans le cloud. Pourtant, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, hein. Aujourd'hui, Stadia, ça a laissé sa marque.
c'était court, hein, mais il y a eu un avant et il y aura très certainement un après. Déjà pour la technologie en elle-même, qui, bon, bah, je le rappelle, est vraiment une infrastructure solide, et ben, elle va continuer à vivre. Bon, pas en public, et pas telle qu'elle non plus, seulement chez Google. Ne vous méprenez pas, hein, c'est Phil Harrison qui le dit lui-même dans son communiqué de fermeture de Google Stadia. C'est notamment YouTube et Google Play qui vont se partager les restes fonctionnels pour se renforcer et proposer de nouvelles features pour l'avenir. On parle aussi de travaux sur la réalité augmentée, bref, d'autres secteurs de Google, tout simplement, qui absorbent, peut-être absorbés, employés inclus, qui ont pu être réaffectés depuis. Enfin, peut-être pas tous les employés non plus, il y a quelques anciens de chez Stadia Games qui sont partis avec Jad Raymond pour fonder le studio Havens, racheté quelques temps après par PlayStation Studios. Parce que décidément le monde est beaucoup trop petit. Ou pas, hein. PlayStation, ils font pas les choses de manière désordonnée. En général, c'est plutôt des petits malins dans leurs acquisitions. Et je suppose que quand ils ont vu que Havens était des anciens de chez Stadia, ils se sont dit qu'en faire des PlayStation Studios avec de l'expérience dans le cloud gaming, bah ça serait pas si bête quand toi-même t'es un acteur du cloud gaming qui investit beaucoup d'argent dedans. De manière très générale, le cloud gaming aussi a beaucoup évolué après Google Stadia. Je ne pense pas, à titre personnel, que ça ait révolutionné le jeu vidéo comme certains l'avaient pourtant prédit fut un temps, mais il a trouvé une place, et c'est déjà ça. Peut-être pas comme un moyen unique de jouer à du jeu, mais comme une option de confort adéquate, permettant de continuer une expérience qui serait plus confortable de base sur sa machine domestique. Le cloud de Microsoft, par exemple, sincèrement. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de pouvoir jouer aux jeux qu'on joue déjà sur Xbox ou sur PC à des moments où on peut pas avoir accès à son matériel? Et c'est pareil pour PlayStation. Nvidia, on en a déjà parlé, va certes un petit peu plus loin avec le GeForce Now et sa formule d'abonnement pour profiter du cloud le plus efficace du marché, c'est vrai, mais ça ne reste qu'une formule accessoire vous permettant de jouer aux jeux que vous possédez déjà. GeForce Now ne vend pas de jeux et vous demandera de vous connecter aux différentes boutiques partenaires comme Steam ou Epic. Et donc j'y viens, le cloud gaming c'est devenu un accessoire. Et bah, c'est peut-être au fond ce qu'il a toujours été destiné à être, mais ça, eh ben, on l'aurait peut-être jamais su sans la chute de Google Stadia.